Salut la team, Sawadee hap. Aujourd'hui, on est au Marina Phuket Hotel. On est arrivé le 10 septembre. On est le 12. Il y a eu 2 jours de remise au niveau du décalage horaire pour Marceau. La première nuit, il nous a fait un endormissement minuit et demi, un réveil à 12h30. Cette nuit, ça a été beaucoup mieux. Il s'est endormi à 22h et il s'est réveillé à 10h30, le petit. Et ici, on est à la piscine au matin. Il fait déjà 28 degrés. Un peu couvert là-bas, mais très très chaud. Et juste là, ici, vous pouvez voir Patong Beach. Bon, autant vous dire qu'en pleine pandémie, au niveau de l'hôtel, il n'y a pas grand monde. Et genre ici, on est seul dans la piscine. Seul, seul, seul. Ici, direction Big Buddha, le Bouddha de 45 mètres de haut qui est au sommet de l'île de Phuket. On a pris un grab de luxe. On a payé 7 euros pour 45 minutes de voiture. Et cet après-midi, si le timing et le repas de Marceau nous permet, direction le temple Wat Chalang. Alors à l'instant de Big Buddha qu'on vient de visiter, bon alors malheureusement je pense que c'est encore en construction parce qu'on n'a pas pu monter à l'intérieur de Big Buddha ni rentrer au rez-de-chaussée. C'est quelque chose à voir parce que la vue sur Phuket elle est impressionnante. Mais comme c'est une nouvelle ouverture de Phuket Sandbox qui est tout récente, il n'y a pas de quoi se restaurer en haut. Et c'est un peu tristoun une fois de plus. Et autant vous dire qu'il n'y a personne. Et là, le truc, c'est va-t-on trouver un taxi pour descendre?
On vient d'arriver au Wat Chalang. Wat Chalang, c'est l'un des temples touristiques de Phuket. Et ici, il y a le Shedi au temple Chalang, qui fait 60 mètres de haut. Et apparemment, à l'intérieur, il y aurait un fragment d'os de Bouddha. Ici, c'est une cheminée où ils viennent faire péter des pétards. Ils le font quand un de leurs vœux a été exaucé. Apparemment, à Wat Chalang, ça pète beaucoup, donc c'est que beaucoup des vœux sont exaucés. L'avantage ici, c'est que Grab est partout et qu'on peut se faire livrer en 10 minutes des bubble tea.